Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On va continuer la page que j'ai commencée ce matin. Donc, voilà, le nounours est sec. Bon, je vous montre ce que ça donne, en fait. Voilà, faites pas attention, hein, c'est pas collé. Donc, en fait, on ouvre et hop. Voilà, là, il y a la petite pochette. Là, hop. Et on referme. Voilà. Donc, vous voyez, le nounours, il est des deux côtés. Je vais y redonner un petit coup de distress quand même. Pour cacher les. Le, comment ça s'appelle le bord là, vous savez, le voilà. Hop. Voilà. Hop. Ensuite, on va continuer. Donc, alors, je sais pas trop. Je sais pas trop comment faire. Là, je voulais mettre ça, mais du coup, ça va pas être possible. Puisqu'il y a ça, c'était pas prévu. Qu'est-ce que j'ai comme étiquette? Ça va passer ça dessous. Non, par contre, là, ça serait sympa. Attendez. Ah oui, là, ce serait pas mal, ça. Donc là, je vais l'entrer. Je vais rajouter un peu de colle, quand même. Juste manière, hein, parce que... Attendez, parce que là, du coup... Je voudrais enlever le petit truc du milieu. Ils sont mal coupés des fois chez Action. Donc. Oui, c'est les autocollants, vous savez, de Action. Vous les reconnaissez, quoi. Hop. Alors, ça. Juste essuyer un petit peu là au bord. Voilà. Et là, je regarde, excusez-moi, mais du coup. Ah, le beautiful là, il est pas mal. Ouais, et là, je vais les mettre en haut. Donc, pareil. Beautiful. Je vais l'ancrer un peu. Même si ça prend pas bien là, sur ces autocollants, en fait. Parce que je pense que c'est parce que c'est plastifié, je sais pas, vous voyez, ça prend pas comme d'habitude, donc en fait c'est un peu pourri, mais bon, ça marche pas, donc on va laisser
Je vais mettre un peu de colle par sécurité. Et là, alors là, je vais essayer de le mettre à cheval sur le bord noir et le papier décoré. Voilà. Ma lingette est complètement sèche, donc j'en prends une autre. Et là, je sais pas en fait. Je verrai après pour le reste de la déco. Jusque là, c'est vraiment manière de toute façon. Donc après, voilà, la vraie finition de déco, ce sera à la fin. Donc, et bien maintenant, je vais réfléchir aux autres côtés. Donc, sur ce côté. Oups. Donc, sur ce côté, je verrai bien un volet aussi, mais je sais pas si ça va pas faire beaucoup quand même. Après, j'ai peur de me retrouver avec beaucoup d'épaisseur comme l'autre fois. Et quand je m'emballe comme ça, comment je pourrais faire? Sinon, je pourrais peut-être faire vous savez, un 3 rabales comme ça. Je sais pas. Oui, je pourrais le laisser comme ça aussi. Non, alors je vais faire simple parce que vous voyez là déjà on commence à avoir un peu d'épaisseur. Je vais mettre un aimant pour que ça tienne bien fermé ça, et comme en plus il va y avoir les pochettes dessus, il va encore avoir de l'épaisseur. Je sais pas si vous voyez. Donc du coup je vais mettre de la déco hein, mais des trucs plutôt plats et des petites pochette plate. Je vais pas faire de rabat encore parce que sinon ça va monter et je vais me retrouver avec un gros truc encore, donc ce serait dommage. Alors en fait c'était quand même, je voulais vous préciser que c'était la première fois que je décidais de le faire, de faire les pages avant la reliure, mis à part pour les deux albums de Noël que j'ai fait avec les enveloppes. Sinon, c'était, je faisais la reliure, je mettais les pages et après je faisais la construction. Sauf qu'à chaque fois, je trouvais que j'avais pas assez de place. Donc, du coup, c'est pour ça que j'avais décidé de faire les pages comme ceci. Mais je sais pas si c'est une bonne idée. Quand on est comme moi, on sait pas trop où on va et qu'en fait, on fait au pif. Donc, ou alors il faut y réfléchir avant. Voilà. Donc, ce qui n'est pas trop mon fort, parce que c'est un peu au pif, comme vous commencez à me connaître un peu. Et du coup, voilà. Alors, je ne sais pas ce qui vaut mieux. Si vous avez une idée, dites-moi-le, parce que moi, je prends toutes des idées. Donc, si vous avez des conseils, hein, je prends. Je vous rappelle que je suis débutante, hein, donc voilà. Tous les conseils sont bons à prendre, moi, je dis. Donc, je vais placer des aimants. Je vais le faire avant d'oublier parce que ça aussi je me connais. Donc je vais prendre mes pastilles de colle. Alors, j'aurais dû d'abord essayer de défaire les mains, ils sont costauds ceux-là. Après il est faux hein, parce que quand on met le papier après c'est plus compliqué.
Alors attendez, parce qu'il faut que je contrôle que ça fasse pas. Que ça fasse pas, vous savez, les épaules qui se repoussent. Ça va. Ça va. Il n'y a pas de souci, puisque de toute façon, ça va pas toucher. Donc, eh bien, on y va. Je vais le placer au milieu. Je vais pas chercher plus loin. Donc voilà, je vais y mettre un point de colle quand même. Autour au moins. Un peu dessus. Bon, ça c'est par précaution. Hein. Et donc, eh bien, je vais coller mon papier. On appuie bien, comme d'habitude. Hop. Voilà. Donc ensuite, alors attendez. Donc du coup, mon prochain aimant, je dois le placer de ce côté. Oui, là c'est. Regardez, je vous montre. Il va tout seul. Donc pareil, je prends un point de colle. Je crois que j'en avais plus. Maintenant que je sais où est le bon pôle. Oui, c'est des pôles. Pôle positif, pôle négatif, je crois. Je n'ai plus qu'à le laisser se coller tout seul. Je vérifie bien. Ouais, que ce soit le bon papier. Et dans quel sens? Allez, je mets un peu de colle. Et je vais coller mon papier. On appuie bien. Surtout au niveau de l'aimant. Voilà. Donc, normalement, ça se refermera. Alors, attendez. Là, je suis un peu perdue. Hop, hop, hop. Voilà. Je vais faire pareil pour l'autre côté. Ouais, il va tout seul. C'est pas beau ça? Je mets mon point de colle. Du coup, j'ai plus qu'à rabattre mon volet pour que les mains s'y mettent tout seul. Il sort dessus. Donc là, pareil, j'ai plus qu'à coller mon papier qui, cela dit, ça m'arrangerait. On va le faire comme ça en fait, ce sera plus pratique, plus plat. Je vais mettre le petit point de colle autour. Je vais mettre le papier
C'est bien l'endroit. Mais il faut vérifier le sens parce que. Surtout que moi, je suis capable de me mettre à l'envers. Ça m'est déjà arrivé. Et un appui. Donc, vous entendez là? Là, je vais mettre un aimant de ce côté-là. Ah, ils se sont collés où mes aimants? Ça, mon point de colle. Je connais le poil qu'il faut, donc je le prends, je mets mon point de colle sur le bon poil, et puis après j'ai juste à le laisser tomber, et il se met tout seul. Je vais juste vérifier, ouais, ça, celui-là il est là. Et l'autre il est là. C'est bon, non, je vérifiais juste que j'avais bien les bons papiers. Donc je me mets à plat. Je me le place. Et on appuie bien fort. Vous voyez là, après ça fait quand même des épaisseurs. Mais... Je sais pas si vous voyez. Non, vous ne voyez pas. Là, au milieu, il commence à y avoir une épaisseur du coup. Donc si en plus je commence à rajouter des trucs. Là, par contre, je sais pas si ça va prendre. Encore de papier. Non, tant pis, je vais le mettre. On va le mettre, tant pis. Hop. Donc, mon point de colle. Hop. Je replie. Hop. Et je colle. Je regarde le bon sens des écritures. Et on colle. J'ai pas mis la colle. Non, c'est pas grave. De toute façon, ça colle quand même. Ça bouge pas. C'est. Et donc j'ai plus qu'à mettre l'autre. Par contre là je ne vais pas mettre des mains puisque c'est la page de couverture et que l'aimant il est juste derrière. Donc là j'ai pas besoin de mettre un aimant. Donc là ben, je vais coller directement. Ah oui. En fait, ça c'était la page que j'avais fait numéro 2 au départ en construction. Et je l'ai pris à l'envers. Parce qu'au départ, elle était comme ça en fait, dans la construction. Elle était comme ça. Mais moi, du coup, je l'ai mis à l'envers, pardon. Et voilà, quoi. Parce que quand on improvise, quand on fait un peu n'importe quoi, du coup, après, ben, ça change, quoi. C'est pas tout à fait ce qu'on avait prévu. Et voilà. C'est ce que je vous disais. Je sais pas si c'est bien, du coup, de faire comme moi ou s'il vaut mieux pas avoir des plantes ou... Tout bien préparé, savoir où on va. Donc je vais le mettre le plus à plat possible.
et je vais le coller. J'appuie bien. Vous voyez quand j'appuie là, ça là, c'est les aimants. Voilà. J'aurais peut-être dû les espacer, faire les mettre. Je sais pas. Ça va, c'est pas non plus super épais. Mais c'est pour ça que je voulais pas rajouter d'autres volets en fait. Donc voilà. On a mis tous les papiers décorés. Là, il y aura les petites pochettes. Mais en fait, je ne sais pas du coup si je vais mettre cela. Parce que ça va faire beaucoup après. Je sais pas. Je ne sais point. Sinon, j'avais pas des petits trucs là tout près. Ça, c'est trop grand. Oh, ça s'aime pas ces petites enveloppes. Un peu petit peut-être, non? Non, mais ça c'est les cartes. Et si plutôt. Ah oui, peut-être. Oui. C'est sympa comme ça aussi. Mais la mèche de cheveux, du coup, elle va pas rentrer. Alors. Je réfléchis, je vous retrouve après. Donc alors, je vais rester sur les enveloppes que j'ai faites. Parce qu'après, parce qu'on les a fait un peu assouffler. Donc comme ça, ils pourront mettre des choses dedans. Voilà. Donc j'ai découpé les papiers assortis. Donc, alors attendez, je réfléchis. Non, celui-là, il va là. Donc je vais les habiller. Alors, j'ai enlevé un demi centimètre sur la sur les mesures de base. Donc là, par exemple, ça fait 7 cm de large. Donc j'ai pris 6 et demi. Et là, ça fait 9 de haut. Donc j'ai pris 8 et demi. Donc 8 et demi de long, enfin de haut. Et 6 et demi de large. Alors pour le bas, je vais pas mettre de. Je vais pas arrondir les angles. Je vais faire comme ça. Voilà. Et en même temps, je vais recouvrir un peu l'encoche parce que du coup, ça va pas. J'ai essayé sur d'autres papiers et du coup, je tombe pas bien. Donc du coup, on va le laisser comme ça, tant pis. Voilà. Par contre, je vais ancrer les bords. D'abord, je vais arrondir par contre les angles de ce papier-là, qui va venir là. Donc je vais arrondir ces angles et les angles en bas. Donc je prends ça. Hop, et l'autre. Voilà, hop, ça c'est fait. Ensuite, donc, je vais l'ancrer. Là. Et donc je fais l'autre enveloppe que j'ai préparée comme ça, ça ce sera fait. Hop. Non, j'avais dit de ce côté en plus.
Voilà. Donc, celui-là aussi. De ce côté-là. Voilà. Et donc, celui-là. De ce côté-là. Pareil, je n'encre pas, je n'arrondis pas les angles. Et je fais pas l'encoche. Parce que je tombe pas juste. Parce qu'en fait, la perforatrice où j'avais fait le demi-rond, là, l'encoche, elle marche plus. Donc, faudrait que je m'en achète une autre. Et voilà. Je sais pas pourquoi. Elle a pas fait longtemps. Je sais pas pourquoi. Donc, maintenant, il faut que je décide ce que je vais mettre. Alors, par contre, pour la première dent, j'avais des autocollants que j'ai mis. Je les avais tout à l'heure en plus. Hop. Je les avais dans la main. Ah oui, ils sont là. Vous savez, les super autocollants que j'avais achetés de chez Cathy Fusion au salon créatif. Bon, et bien, il y a la première dent. Donc ça, c'est très bien. Par contre, il n'y a pas la première mèche. Donc, je leur dirai, mais je ne vais pas le marquer alors, parce que sinon, ça ne va pas faire joli. Premier jeu, première balade, premier bain. Ah non, il n'y a pas. Tant pis, on va. Et comme ils sont en chocolat. Donc c'est pour ça, ça ira bien là. Mais je voudrais voir si ça passe. Ouais. Là ou sur celui-là. Ça, c'est le dilemme. Je sais pas laquelle choisir. Je vais prendre sur celle-là, elle est plus marrante. Et là, j'y mettrai des stickers dans les bleus. Donc, par contre, je vais le coller maintenant parce que... après, ce sera moins facile peut-être. Parce qu'en plus, il y aura les... Oh oui, non, ça va aller. C'est plat. Ouais. Donc, eh ben, allons-y, on va coller. Donc, je prends mon autocollant, mon double face, comme d'hab. Là, et là, donc, pour celui-là, je vais mettre un plus fin. Comme ça, je passe pas des heures à couper autour. Voilà. Je vais faire pareil pour l'autre à y être. Il faudra que je pense à mettre les aimants. Je vais mettre sur la grande poche aussi à y être. Enfin, le grand papier. Hop. Alors pour celui-là. Là, par contre, je vais le couper parce que voilà. Je vais renforcer le vieillissage du papier.
Voilà, ça va. Je vais par contre couper les petits bouts là, les arrondis. Hop. Là. Donc, je vais prendre mes aimants. Je pense que je vais coller là-dessous d'abord. Parce que ce sera mieux par rapport au... Parce que c'est ça le plus petit en fait. Je sais pas si vous me comprenez en fait. Moi j'avoue que je suis un peu fatiguée là. C'est... La fin de la journée là est un petit peu compliquée aujourd'hui. Comment ça? Pas que je tombe sur le trou aussi. Ça va aller. Donc ça, je mets le deuxième. Je me prends ma petite pastille de colle. Je la pose sur les mains. Et puis, alors là par contre, je fais attention que ce soit bien... Comme je veux que ce soit pris, j'appuie. Et voilà. J'ai plus qu'à coller les papiers maintenant. Donc, je vais mettre le plus écrit ici, puisque là, je vais mettre ma première dent. Donc, on y va. Décidément. Aujourd'hui. Hop, que je le mette dans le bon sens. Et on appuie. Alors, c'est que j'ai mis mon truc, voilà. Donc là, ensuite, je vais mettre celui-là. Après, on n'est pas obligé de prendre des aimants. On peut mettre des attaches parisiennes. On peut mettre beaucoup de choses. Hein. Moi, j'aime bien les aimants. Donc, du coup... Et puis, c'est parce que je les achète aussi sur AliExpress. Donc, du coup, je les ai pas très chers. Sinon, je les achèterais pas. Voilà. On peut habiller l'intérieur aussi. Mais voilà, je vais pas le faire parce que je vais leur mettre comment ça s'appelle, un petit sachet. Je sais pas comment encore, mais vous savez, un petit sac. Un peu en plastique ou je sais pas vraiment, mais... Pour pas qu'après ils perdent la dent quoi, et qu'ils puissent le retirer facilement. Je sais pas si vous me comprenez bien, mais... Donc là, hop. Voilà. Là par contre, c'est pas bon parce que j'ai mis du double face. Vous savez. Donc, ben, il va falloir que je le coupe. Hein. C'est pas gagné. Hein. On va essayer comme ça. Comment faire des bêtises? Ben, demandez à Joël. Non, ça va, ça aurait pu être pire. Donc là, je vais le ancrer pour camoufler tout ça.
Donc voilà en fait. Et là. Donc je vais faire l'autre. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà. Alors j'ai habillé les enveloppes. Voilà. Donc là je vais marquer ma première dent. Et là, en fait, pour marquer ma première mèche, j'ai trouvé ça. Un alphabet, comment on appelle ça, décalco. Ouais, décalque, que j'avais acheté à Action une fois. Et là, je me souviens qu'il y avait l'alphabet. Donc, ben, on va faire avec ça. Donc, déjà, j'ai mis du double face derrière. Alors, je suis pas allée carrément au bord. Et... Voilà, donc, on va les coller. Au moins ce sera fait. J'ai décidé finalement de les mettre droite. Comme ça, en décalé. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, je trouvais que ça ferait sympa comme ça. Ou peut-être dans ce sens-là. On va les faire comme ça. Alors, je me mets... J'essaye d'être droite. Et donc, j'appuie. J'ai quand même passé le plioir à l'intérieur. Voilà. Donc maintenant, je vais placer l'autre. Donc je vais la mettre en bas, de l'autre côté. Là, hop. Là, voilà. Et donc là, j'appuie bien fort. Excusez-moi, comme j'ai du monde dehors là, je... et comme en général quand je filme on vient m'embêter, je vérifie. Donc je vais marquer première dent ici avec ce sublime, ces sublimes mots qui viennent de GK. Je vous rappelle que c'est la, c'est GK qui les fait ceux-là. Vous les trouverez pas ailleurs. C'est, je sais plus comment elle s'appelle, la dame qui les fait. Donc, on va le mettre, on va essayer de le mettre au milieu. Je vais vous le montrer après, je marque le deuxième. Sont très très fins, ils sont d'une finesse. Et regardez, je sais pas si vous voyez bien puisque là il fait sombre, hein. Il est, la nuit commence à tomber un peu, donc alors par contre là il y a les petits chaussons. Et la petite tétine, le petit biberon. Donc, je pense que je vais y mettre les petits chaussons à droite, en travers. Hop. Et là, j'ai envie de mettre une petite tétine. Puisque forcément, dans tétine. Ils sont d'une finesse, regardez. Très, très délicat. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais juste passer délicatement le plioir. Mais alors délicatement, c'est juste pour être sûr de le que ça se colle bien. Et donc alors par contre pour le coup,
cet alphabet, ça va être plus délicat. Donc, on va essayer, on verra bien. Hein. Je suis pas très douée en plus pour ça. Pour coller les lettres comme ça. En plus, je crois qu'il faut les découper une par une. Hein. Donc je vais prendre des petits ciseaux. Ça va être bien. Donc il m'en faut un peu. Il me faut 2 R. Alors attendez, vous savez quoi? Que je vais l'écrire en même temps. Ce sera plus rapide. Un E. Donc il va m'en falloir 2 aussi. Là, pardon. C'est pareil, si vous avez des astuces pour coller ce genre de truc, n'hésitez pas. Je suis à votre écoute. Première, donc il me faut un M. Hop. Un I. Il me faut le deuxième. Oh, bien sûr, il s'est décollé celui-là. Le deuxième, le R. Et un autre E. Oh, mais je vais pas avoir assez de E. Ah. J'irai le couper là-haut, tant pis. Alors, il me faut un autre M. L'autre. Ah oui, un C. J'aurais peut-être pu le faire hors caméra en fait. J'ai oublié en fait que je filmais. Et donc l'autre, je vais le piquer sur ce mot là. C'est pareil. Première mèche. Donc on va essayer de faire ça. Donc on va mettre le P. Jusque là, presque. Le R. Après, c'est pas grave si c'est pas nickel, bien droit et tout ça, puisque c'est pas le. C'est du vintage et c'est pas. Je veux pas que ce soit nickel, bien. Parce que c'est quand même un enfant, donc. Si je voulais vraiment que ce soit nickel, j'aurais tracé un trait, j'aurais. Voilà. Bon, je finis de marquer et puis je vous retrouve tout à l'heure. Donc, voilà. Alors, c'est pas super. Je l'arrangerai avec du stylo noir. Je sais pas lequel encore, mais bon, je vais l'arranger. Donc, voilà, mes pochettes sont finies. Là. Je vais mettre une petite déco. Là, j'ai rajouté un biberon de chez K-Diffusion, là, de ces mots-là.
et la petite tétine. Et puis là, je pense que je vais mettre un petit autocollant. Donc, j'ai bien envie. Alors ça, c'est des autocollants. Il me semble que c'est Bipoplup aussi qui me les avait envoyés. Il me semble. Je vais pas dire de bêtises, mais bon. J'adore celui-là. Mes petits ronds. On a mon cœur balance entre les deux. Je vais mettre le petit nounours. Et comme ça, en plus, ça rappellera celui-là. Là, comme c'est un genre de plastique, de mousse, en fait, de la mousse, du coup, je vais pas l'ancrer parce que j'ai peur que ça fasse pas, que ça prenne pas bien, en fait. Je vais quand même rajouter un peu de colle. Voilà. Hop. Regardez, ça le fait. C'est trop mignon. Voilà. Je vais le laisser sécher. Celui-là, ça me plaît bien. Mais... Est-ce qu'il va pas être trop gros? Non, celui-là, je vais le mettre aussi. Celui-là. Mais là, par contre, je vais ancrer les bords pour le vieillir. Voilà. Et donc là, juste un petit trait de colle parce que il a l'air de bien coller. Et donc là, on colle. Voilà. Donc, alors là, je pense que c'était la dernière page. Parce que comme la grosse page, alors excusez-moi d'avance si je fais tomber encore. Oui, excusez-moi, on a eu un problème de j'ai un problème de caméra. Donc alors en fait je vous disais voilà que je vais arrêter parce qu'en fait pour moi il est assez gros. Ouais. Il va être immense. Sachant que du coup, cette énorme page là, qui est beaucoup trop grosse à mon goût, hein, je pense. En fait, je vais la coller sur la couverture du fond. Comme ça, elle sera bien à plat. Comme ça, je vais la coller. Ça se sera collé sur la couverture. Et là, il y aura pas. Comme ça ne bougera pas. Ce sera sur du carton. Voilà. Et donc, ce qui fait qu'en fait, on a fini. Donc, je vais vous montrer. C'est pas évident, hein, là, mais... Donc, je vous montre les pages. Donc, première page. Je vais encore faire tomber la caméra, vous allez voir. Donc... attendez que je cherche le bon sens quand même. Et oui, parce que du coup, moi, je vais vous la montrer à l'endroit. Mais, et oui, c'est ça. Donc, il faut que je vous le mette à l'envers. Que je me le mette à l'envers à moi. Ça, donc comme ça et donc ça ça va comme ça. Donc on récapitule, ça c'est la première page, ça ce sera la deuxième page, la troisième page que nous venons de finir, et donc ça ce sera la couverture. Enfin, l'intérieur de la couverture. Voilà. Donc, je vais bien laisser sécher la page qu'on vient de faire.
Je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui, puisque je sais pas quelle heure il est. Ouais, c'est. J'aurais peut-être pas le temps de continuer là, de commencer la couverture ou de réfléchir. Sachant que les petits détails, je fignolerai tout ça en fait au montage. Voilà, je vais pas le faire maintenant. Là, je vais peut-être regarder pour faire des tags, mais en général, c'est une fois que l'album est relié que je fais tous les petits détails de dernière minute. Si je veux y mettre des perles, un peu de dentelle, des fleurs, je sais pas. Voilà, et les tags en général, je les fais à la fin aussi. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bien sûr, pour les questions, n'hésitez pas. Vous le savez. Ah oui, un petit détail. Depuis hier, j'ai mon YouTube qui me dit pas les notifications. D'habitude, je suis alertée dès que vous me demandez quelque chose, que vous mettez un commentaire. Or là, il faut que je pense à aller voir sur YouTube, sur les commentaires, en fait. Je sais pas ce que j'ai fait. Comme de filmer, il faut souvent que je vide le portable. Peut-être que j'ai fait une mauvaise manip. Je sais pas le remettre. Donc si je mets un peu de temps à vous répondre, ne m'en veuillez pas. Je passe pas non plus tout mon temps connecté sur YouTube à regarder les commentaires puisque j'ai l'habitude d'avoir une petite sonnerie qui me dit que vous m'en avez mis un. Donc surtout ne m'en voulez pas si je vous réponds pas de suite, si je mets un peu de temps mais je vous répondrai hein, dès que je le verrai. De toute façon, il n'y a pas de souci, hein, au contraire. Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc je vous souhaite une excellente soirée. Je vous fais plein de gros gros bisous. Je vous dis peut-être à demain ou après-demain, je sais pas. Voilà. Bon, ben, je crois que c'est tout. Excusez-moi, mais j'ai mon fils là-bas qui me fait rire et pardon. Bon, plein de gros bisous. À bientôt. Bye bye.